Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus Retro. On est encore et toujours là pour le drop Dofus Purple, les gars. On va y arriver cette fois-ci. 30 Minotaurs sont là pour espérer à fond dropper enfin le Dofus Purple. Donc on va pouvoir manger tout le bonbon de prospection sans PP pour ce drop là. J'espère que ça va le faire, les gars. Toujours à 3460 ans. Donc ça, c'est quand même pas trop mal. Donc les 30 captures sont là. Vous pouvez les compter. Vous pouvez me faire confiance. Elles sont au nombre de 30. Les Kama au passage, 24 millions, les gars. Alors faut savoir que du coup, j'ai encore tout acheté. Donc pour environ 300 000 KU. Hein. Sauf que j'ai eu la vente de la Cap Fulgu qu'on a fait ensemble sur la vidéo Made Comeback, je crois. 7,5 millions. C'est assez cool. Donc ça a quasiment tout payé. Il y a eu aussi des ventes d'items dont je me servais plus en fait, genre les Dorabora, tout ça, tous les items dont j'avais plus besoin, les ceintures des vents aussi, la vague que je vous avais fait, je les ai vendus, voilà. Donc cool, du coup on baisse même pas trop en Kama, donc c'est très bien. J'espère vraiment qu'on va enfin pouvoir dropper le petit Dofus Purple. Ça ferait très plaisir parce que jusqu'à là ça n'a pas trop réussi. Donc il y en a beaucoup à taper, donc je vais pas trop traîner, les gars. On va y aller, je vais enchaîner. Bon, c'est toujours je précise, c'est pas évident ces vidéos là parce que c'est vrai que c'est toujours à peu près la même chose. J'arrive, on est parti pour le drop, blablabla. Donc j'essaie de faire ce que je peux au niveau du commentaire, les amis. Et du coup, voilà, je lance. On y croit tous ensemble. Merci à vous pour vos messages de soutien la dernière fois. J'espère que vous êtes avec vous. Et je précise comme d'hab que ces vidéos, qu'il y ait drop ou pas, elles arrivent. Même si c'est sûr que c'est très chiant quand il n'y a pas drop. Mais au moins, vous le savez, il y a du suspense. Et j'espère vraiment que ça va le faire. C'est parti. Je ne bavarde pas plus. Et on y croit. Et je donne tout pour les tials, évidemment, comme d'habitude. Pétulant. Et litier sur Domino, ça c'est assez chill. Allez, on est parti, les gars. Let's go. Allez, les gars, c'est parti pour le premier. On a que litier. J'ai fait le pétulant un moment, mais de toute façon, ça prend du temps pour rien. Donc, autant ne pas le faire en vrai. C'est très bien comme ça. Allez, 11 minutes. C'est vrai que c'est long à chaque fois, ces petits minotaurs. Donc, voilà quoi. Hein. Voilà, voilà. Fois 30, ça va prendre du temps à faire tout ça. Pas de Dofus sur le premier, pas de problème. Ok, allez, c'est parti, les gars, on continue. Bon, un simple petit challenge nomade à 55%. Mais on y croit quand même. On y croira tout au long de la vidéo. 10 minutes. Alors, je rappelle, hein, les plus, s'il est après un poil de Gamino, ça sert à rien. Vu que le pourpre ne peut être qu'avant. On prend notre temps. Ok, donc là ça sert à rien. Et là, il n'y a rien non plus. Ok, pour le troisième, on a un petit challenge collant. C'est très sympa, collant. 95%, il n'y a rien à faire. Up 150 pour les cras. Ok, on prend. Pourquoi pas. 7 minutes, je suis allé assez vite là-dessus. Il y a des petites heures métal de temps en temps qui se perdent. Nous, ce qu'on veut, c'est le Dofus. Et non, pas de Dofus pourpre. Les deux cras sont 150, c'est très bien comme ça. C'est joli, c'est joli. Oh les gars, oh les gars, quatrième je crois. Attendez, c'est bien ça, on est au quatrième Minotaur. Et on a peut-être déjà le drop pourpre. Non, c'est le mec, je vais me gammer directement. Mais on a contamination et nomade validé. C'est assez sympathique, 220%. Donc là, c'est le premier combat où on peut vraiment, vraiment y croire. Il a des raises, le coquin. C'est génial, ça, Dofus. Alors, attendez. Du coup, on prolonge. On va essayer de pas se déconcentrer pour pas faire une nomade, on va dire. Donc, voilà, on y va avec le deuxième cra. C'est bon, cette fois-ci, ça... Mais pourquoi il a autant de raises, lui? Il a 9%. Ah, voilà, 50%. D'accord. Allez, on valide. Allez, les gars. Là, peut-être. 15 minutes, j'ai vraiment pris mon temps. Allez, les gars. Allez. Les lignes, il n'y a même pas de plus. Elles sont pas ouf, ces lignes. Ok, là, peut-être. Là, non. Et non. Non, ça ne veut pas, les gars. Même avec 220%. Bon, c'est pas grave. Quatrième seulement. Normal. Alors, on a ici un petit duo élitiste nomade, 130%. Il faut savoir que juste avant, par contre, le cinquième, j'ai oublié de rec. Mais de toute façon, je pense que je vous mettrai pas tous les toits, parce que sinon, ça prend un peu trop de temps, j'imagine. Donc, voilà, je vous le dis, de toute façon, c'était très nul. Il n'y avait pas de tchal sur le combat juste avant. Là, on a 130%. On valide. C'est bon. Allez, les gars. Le petit Dofus. Bon, 13 minutes. Rien ici. Rien, 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 toujours rien. Ok, petit tial collant, 95%. Il y avait duel avec, mais duel, c'est très très chiant. C'est déjà très long, parce que c'est surtout le fait de tourner les coffres qui prend du temps. Mais ouais, du duel, clairement, c'est pas le tial que t'as envie de faire sur un Minotaur. Alors, ça va vite. 10 minutes à chaque fois. Pour en 2 secondes voir que y a pas de drop. Dommage. Allez les gars, on a un très bon double tchal. Plus de 200%, 210% contamination. Plus pétulant.
On donne tout, comme d'habitude, let's go. Pour ce petit Minotaur là. Allez, s'il te plaît, Dofus Pourpre. Alors, très rapidement, allez, on laisse un peu de suspense. Le temps que je vous dise quelque chose, une belle XP au passage. Donc là, je rec, les gars, on est le 17. Donc, mardi 17. Donc, on a appris que la fusion sur Retro était décalée, malheureusement. Donc, c'est un petit peu triste, sachant qu'on l'attendait vraiment beaucoup. Parce que c'est vrai que sur Eggmazer, là, bah, y a personne, y a pas de PVP. C'est un peu triste tout nez. Du coup, bah, écoutez, je suis un peu triste, forcément. Donc, j'espère vraiment qu'un pourpre qui vienne et qui me motive à jouer, parce que c'est vrai que déjà ces derniers temps, c'est voilà, ça commence un petit peu à lasser. Donc rien ici, rien ici, peut-être dans ce plus, on y croit, je le dis tout le temps, mais on sait jamais, hein. Non, pas de petit 1 fois Dofus Pourpre, dommage. Ok, bon, bah écoutez, je continue. Il nous reste, les amis, 18, si je dis pas de bêtises. Là on en a 8 et là on en a 10. Voilà, 18, c'est parti. Non, toujours pas. Ça, c'est chiant, par contre. Bon, j'ai encore eu contamination, mais j'ai pas pu le faire. J'ai zombie. Voilà, quand il commence trop près de nous, trop proche de nous, et qu'il peut envoyer son tofu, bah, c'est compliqué, à moins que je tue celui qui a été touché, mais c'est un peu chiant. Du coup, 60% seulement pour ce combat. Et pas de Dofus. Ah, quoique, dans ce plus, on peut. Non. Ah, mais ça serait tellement beau, les gars, qu'il arrive dans le plus. Genre, je suis là en mode... non. Dommage. Allez, on continue. Bon, les gars, je sais que vous croyez plus en moi. Je sais que vous pensez que c'est fichu. Mais là, les gars, là, partage plus contamination, 245%. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Non, mais de toute façon, je dois continuer à croire, les gars. Il y a encore la place. Et là, ouais, 245%, quoi. Il n'y a pas d'erreur. Je finis avec le Kramen. On va assurer avec la glacée. Voilà, c'est validé. 245%. Allez, Dofus, donne-moi ce Dofus. 10 minutes. En plus, on est assez rapide, mine de rien. On a des super lignes. 1M5 d'XP. Non. Et non. Alors, on va kill sur les nus. J'ai un petit challenge ordonné. Sur les nids, pas les nus. 80% du corps. Ah bah ça passe pas. Génial. Du coup, bah ça sera un kill et nu. Allez, pourquoi pas. Tac, tac, tac. Il lui manquait la chance. C'est parti. Let's go. Malgré qu'il n'y ait qu'un seul challenge. De toute façon, avec tous les gros challenges que j'ai fait, je suis sûr que si ça drop, ça sera pas sur un gros tchal. Ça sera en mode non, mais gros, il suffisait juste de pas faire de tchal. Non, non, bah pas maintenant. Juste viens. Quand tu veux, mais viens, s'il te plaît, frérot. Et c'est parti pour un challenge statue. J'ai pas vu. C'est, je crois, 60% environ aussi. Donc pas oufissime. 10 minutes de combat. Pas de pourpre en vue. Ouais, c'est 60%. Donc rien dans ces plus là. Dofus. S'il te plaît, bro. Non. Non, non, non. Nouveau Minotaur avec un double tchal. 140%. Partage des statuts. On valide le kill avec le Kramen. On up niveau 151. Je vais laisser la truc. On regarde sur le côté à droite, là. Non, pas d'office pour malheureusement. 8 minutes, franchement. Ça va vite, ça va vite. C'est cool. Allez. Dofus. Comme d'habitude, le petit Dofus Pourpre peut-être qui va tomber maintenant. Non. Allez les amis, on va y arriver. On a un double challenge. 98%, ça nous fait statut plus incurable. On finit avec le Kra comme d'hab. Et on est parti. Allez, on le mérite. 8000. Franchement, ça devient de plus en plus agréable parce que je l'ai déjà dit, mais vraiment, je gère vraiment de mieux en mieux, quoi. C'est très très fluide au niveau du combat. Malheureusement, ça ne tombe toujours pas. Ok les bros, c'est l'heure du drop Dofus. Let's go. 2 pour le prix d'un cruel. 175%. Alors on fait le pas. On va d'abord tuer le petit Demino. Je pense pas que je one shot. Ah. Ok, ça passe. Troll pas gros. Hein. Pas deuxième échec. Ok, c'est validé. Allez les gars, je le sens. Ce Dofus pourpre, il va enfin arriver très bientôt. Peut-être 12 minutes de combat. Allez les gars. Allez. Le petit pourpre, s'il te plaît. Il va finir par arriver dans cette vidéo, je vous le dis les gars. C'est pas maintenant, mais ça va arriver. Pas de soucis. Allez. Minotaur suivant, 180%. Très 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 clean encore. On va finir avec le Kra avec deux petites flèches enflammées. Allez Dofus, 10 minutes. Il est temps de se réveiller. Non, toujours pas. Ok, le suivant Lila, versatile, 85% seulement. Duel, je le fais jamais les gars. Duel c'est... Tuer le Minotaur, genre avec un seul Kra, ça prend
beaucoup trop de temps. Donc on évite et on fait que le petit tchal versa là-dessus. Allez, Dofus. J'essaie de prendre mon temps un petit peu pour éventuellement y croire plus longtemps. Mais non, ça ne veut pas. Allez, le kill final, on a Illitis, 75% sur le Minotaur. On termine avec le Demino. Allez les amigos, il y avait barbare, hein, le tchal. On ne s'amuse pas à faire barbare évidemment. Allez, le Dofus. Franchement, je sais pas pourquoi je le sens. Je le sens quand même arriver. Je sais pas comment je fais, mais je le sens arriver dans les captures là. Je me vois le voir dans les lignes. Pas maintenant, vous voyez, mais genre dans les 6 dernières. 6, putain, ça passe vite, hein. Enfin, ça passe vite. J'ai mis. Les gars, j'ai mis. Ouais, voilà, c'est bien ça. Enfin, je sais pas depuis quand j'ai commencé, mais ça fait quand même un moment. Mais ouais, déjà plus que 6 et rien, malheureusement. Allez, on continue. Ah, oh, ça, c'est un Gamino, c'est pas très grave. Allez, nouveau combat en valier de Versatile et statue, 145%, on est bien. On est bien, on est bien. Pour drop, comme d'habitude. On est toujours bien de façon pour drop. Enfin, presque tout le temps. Et à chaque combat, on mérite de drop. Donc Dofus. J'en ai marre de répéter ça. Oh, peut-être dans ce plus. 3, 2, 1. Et non. Aïe, 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 aïe. Dofus, Dofus. Bon, alors, on a eu pas mal de combats nuls parce qu'il n'y avait pas l'étial ou quoi. Là, bah, j'ai le double étial. On va valider partage avec le deuxième Kra. Le problème, c'est que il restait plus que la momie. J'ai coffré. La momie a tué tous les coffres. Je pleure, les gars. Il y avait 130%. Est-ce qu'on va dropper 100? Oh, les deux, les gars, les deux plus sont jouables. Et franchement, 100 coffres, ça serait beau. Allez, s'il te plaît. Non. Et non! Oh là là! Deux plus comme ça, là, d'affilée! Bon, dommage. Bon, après, je. Bah, après, c'est pas de ma faute, c'est la momie, là. Fuh, elle m'a tué tous mes coffres. Allez, les gars, c'est maintenant ou jamais, intouchable, versatile, 175%, encore très très clean. On va finir avec une magique. C'est bon, c'est validé. Allez! On est sur les trois derniers. Je crois que c'est le troisième avant la. Enfin, il en reste plus que deux, quoi, tout simplement. Ok, un premier plus. Ça, j'aime bien. Ça rajoute un poil de suspense. Allez, non, pas en bas, dans le plus peut-être. Aïe, 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 comme j'aimerais. Oh, les gars, comme... oh, vous savez pas comme j'aimerais voir cette ligne. Un fois Dofus pour c'est incroyable. Malheureusement, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. On fera un bilan, m'avait demandé la dernière fois, rapidement, des ressources qu'on a. Parce que c'est vrai que, bah, du coup, j'ai pas mal de trucs. Hein. Les Zenus, là, sont archi full pot, par exemple. Et rien que sur les Kras, ouais, on est pas trop mal. Bon, les Xamigos, plus que deux. Allez, jusqu'au bout. Bon ben voici l'avant-dernier Tauror avec un seul challenge. Je ne fais l'abnégation. Bon c'est 25% mais bon. J'ai trop l'habitude de soigner à la fin. C'est pas grave, on n'a rien vu. Let's go. Allez les amigos. S'il vous plaît. Sur l'avant-dernier. Peut-être. Non. Je vois pas à quoi il ressemble là. Genre, c'est quoi un Dofus Pop les gars? Bon, bah les amis, je vais faire une pause avant de faire le dernier, histoire de faire durer pour moi, même si il y a absolument rien qui va tomber, on connaît. Mais bon, l'histoire serait belle, voilà, sur le dernier, après je vous ferai le petit bilan des ressources, mais je m'en fous totalement des ressources, hein, honnêtement. Bon, bah écoutez, on y croit toujours, je vous retrouve un petit peu après. Allez les gars. Bon bah les gars, c'est terminé, on termine sur un no-chal, ça fait plaisir, il y avait partage, il y a un mob qui était un peu tapé, il a perdu le buff vita du Tauror parce que je tuais le Tauror, et du coup, bah ça a fait le partage. Après, j'ai fait l'ordonnée parce que ça m'a saoulé. Du coup, bah, pas de Dofus, évidemment. Pas de bonnes surprises. Et malheureusement, on termine. Je vais rester en K-Touch. Je vais récupérer toutes les ressources. Bon, voilà, voilà, les gars. Écoutez, je suis déception. On a, ça y est, on a plus le bonbon. C'est terminé. Par contre, petite chose à vous montrer, les gars. Ta 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 ta. J'ai acheté des taureaux, les gars. Je suis allé d'un coup voir dans l'HDV, là, tranquille, je pense qu'il en reste encore. Et un prix totalement ouf. Il y avait des taureaux, je pense que c'est toujours le même prix, là, il en restait. Est-ce qu'il y en a toujours? Voilà, 250 000 les gars. Du coup, bah, j'en ai acheté en fait 30 à 250 000 KU. Donc ça va, honnêtement, ça va. Je prendrai pas ma revanche tout de suite parce que... C'est bon, ça m'a saoulé les gars. Mais voilà, j'essaierai de faire un peu autre chose avant de m'attaquer à ça. Mais je ne lâche pas, je veux un Dofus Pauvre, j'en aurai un. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Je... que j'irai plutôt à Brakmar parce que bon t'as les gars, genre j'ai pas de chance avec avec cette ville là. Turquoise, l'émeraude, ça a jamais été ouf ici. Donc on tentera ouais d'aller à Brakmar. Pourquoi pas. Du coup, je vais récupérer toutes les ressources, les gars. Désolé, pas de drop encore une fois. Franchement les gars, n'hésitez pas à liker quand même pour le soutien, c'est super important parce que là, les gars... C'est tellement triste pour moi, je vous avoue que voilà quoi.
Du coup, il y a les orbes, là, au passage, n'hésitez pas. Si vous avez pas récupéré avec le code orbe rétro, je crois, vous pouvez avoir une petite orbe reconstituant un orbe. Je crois que c'est un orbe, ça se dit. Voilà, je vais récupérer tout ça, les gars. On va regarder un petit peu combien on est de ressources. Et puis, voilà, n'hésitez pas au passage, pendant que je fais un petit peu ça avec vous, à me proposer des choses à faire en vidéo. Parce que c'est vrai que, voilà, ces derniers temps, je joue plus trop. J'avais l'objectif, voilà, pour qui... Bah, qui n'est toujours pas terminé, mais qui est très, très relou, franchement. Les combats, ils ont beau être de plus en plus rapides pour moi, je gère tranquillou, mais c'est chiant, c'est des mobs qui ont des restes, tout ça, ça prend du temps, il n'y a pas de drop, c'est pas plaisant qu'au bout d'un moment, du coup, ouais, c'est un peu relou. Voilà, voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des choses un peu à me proposer à faire. Bon, j'ai logiquement les cras à continuer de up et de stuffer niveau, c'est quoi, 180, 190. Bon, j'ai peut-être pas trop la voix tout de suite de faire ça, je vous avoue, hein. Donc ouais, n'hésitez pas, il y a les cas aussi, j'étais archi chaud à passer Mastan, j'ai passé Mastan, yes, dessus pour le petit, et puis finalement pas de pépé. Donc ouais, en plus que la fusion était retardée. Donc n'hésitez pas, vous avez des petits trucs cool qui pourraient être sympas à faire pour moi et qui vous intéresseraient vous, ça serait sympathique. Bon écoutez, comme ça on aura ensemble récolté tout le bordel, ouais bah je suis full. Je vais vider en banc, quoique bah du coup vous pourrez pas voir vraiment. Bah vous savez quoi, ça sera le bilan de 60 aurores qu'on va faire. J'en ai tapé 30. Let's go, je vous montre toute la banque avec les ressources Tora. Ok, donc j'ai toutes les ressources. Au passage, il y a massement, hein, que ce soit sur Rétro de façon ou Dofus 2, il y a vraiment massement dans ce moment. C'est sympa à voir, ça fait plaisir. Notamment, là, regardez, genre la banque. Genre rien que dehors. Sympa, franchement sympa, plein de petits persos différents. Pas des teams, quoi, donc cool. Cool, cool, cool. Alors, les amis. Alors, il faut que je retrouve un petit peu les ressources. Je sais pas si... ouais, est-ce que je peux les retrouver facilement? Alors, les ressources, peut-être à la fin que je peux les trouver. Rapidement. Alors non, pas ici. Elles sont, ouais, de toute façon, toutes, voilà, tout à côté, à cet endroit-là. Donc, 669 poils du Minotaur Or, c'est pas mal. 573 poils de momie Notor. Les cuirs de momie aussi, 580. Bon, enfin, je vous laisse regarder. Les poils de Gamino, je crois que c'est ça, c'est utilisé pour les clés. C'est un certain prix, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, il y en a besoin de 10 pour la clé Minotot, sachant que c'est farmé et tout, donc ça se vend bien. Hein. Ok, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal, pas mal. Les carapaces, il y a quoi pour les clés? Il y a pas pour le labyrinthe, clé pour le labyrinthe. C'est laquelle? Voilà, celle-là. Il y a pas besoin, il y a besoin de serpiplume, mandrine, minosquito. Ouais, donc ça c'est pas mal, hein. C'est quand même pas mal de kama. Les minosquito, j'en ai pas. Il n'y en a pas de minosquito dans le... sur le groupe? Ah non, il n'y en a pas. Ok, ok. Donc ouais, ça, il faut farmer la zone. Ok, ok. Bon, moi j'ai les plumes qui peuvent se revendre. Donc ouais, c'est pas mal. Si, regardez, j'en prends. Bah, peut-être que j'ai... Non, j'ai peut-être pas la place. Attendez, je vais prendre un petit peu de chaque juste pour avoir le nom des ressources. On va regarder les prix rapidement. Ouais, mais non, ça serait bête. Faudrait voir les quantités, en fait. Bon, attendez, je vais prendre ça vite fait. Ça, ça. Ok. Ah oui, les LED, c'est lourd en plus. C'est quoi, on multipliera par 100. On multipliera par 100 et on verra à peu près combien on a. Genre là, ça veut dire j'en ai 1100, ça veut dire j'en ai 1300, tout ça, tout ça. Alors, pour voir si on a un petit peu gagné de Kama, non, non, enfin, non, je pense pas qu'on en ait gagné, mais au moins qu'on amortisse un petit peu, quoi. Alors, les codes Minotaur, ça, j'en ai pas 300, 3400, hein, j'ai tout pris. Donc, genre, fois 34, les queues de Minotaur, ça coûte... Ouh, ah ouais, pas mal. Pas mal, pas mal, ça. Les poils, j'en ai 600, je crois que... attendez, je vais taper Minotaur. Ouais, bon, c'est pas à côté. Les poils, ouais, bon, ça, ça coûte... Ah si, ça coûte quand même 13 000. Eh les gars, on est riche, j'en ai 600. Hein. Alors en vrai, on est pas mal. Hein. C'est cool. Momie, on a le poil. J'en ai 500, ça coûte 400, 3000 KU. 4000 KU même. Ok, on a aussi là, j'ai vu le cuir. Le cuir, j'en ai 500 a priori, 700. Ah ouais, non mais les gars, je suis archi bien en fait. Ça va, on amortit un peu les dépenses en vrai. Dommage qu'il n'y ait pas eu le petit pourpre, hein. Moi j'étais surtout là pour le pourpre. Des poils de Gamino, j'en ai 1300, ça fait 200 000 les 100. Ouais, 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 on est bien, Skaratos. A priori, fois 1100 environ. Ah ouais, non mais oui. Non mais c'est clairement rentable en vrai de taper des taurors, les gars. Surtout là, au prix que c'est, limite. Est-ce que j'en achète là, fois 40 seulement? Ça ne coûte pas très cher. Ok, c'est quoi ça? Les cuirs de Minotaur, les ressources Tora, le cuir, 30 000, j'en ai 100. Ok, bon, je vais pas trop forcer, vous avez compris l'idée, mais globalement, on est bien.
Le fémur, ça coûte combien? Oh là là, fois 30. Eh ben ouais, nice, nice. Vous savez quoi? Alors, même si bah, ça fait un peu overkill, je vais aller prendre soit 250 000, parce que ça me semble déjà worth. On a une chance de drop. Le Dofus pauvre, on a de l'XP, et en plus, on a ses ressources qui valent quand même pas mal. Peut-être pas qu'on récupère 250 000 de ressources par pierre, parce que bon, là, j'ai dit, hein, dans ma banque, il y a environ pour 60 captures, je crois. Donc ouais, je vais quand même aller les acheter les gars, et puis pas tout de suite pour vous changer un petit peu les idées sur les vidéos rétro, parce que c'est tout le temps ça. On se tapera un peu plus tard cette aurore quoi, franchement je veux le pourpre quoi. Il nous faut un pourpre pour les cas, on ne lâche pas les gars. Voilà, bon, j'en ai assez fait, ça, par contre ça lag de ouf en truc, c'est ouf. Voilà, j'en ai un paquet à acheter, je vais tout acheter honnêtement, on va se faire plaisir, bon on en a plus trop. Donc voilà les gars, encore une fois n'hésitez pas à liker pour le soutien, merci beaucoup, comme je vous disais, si vous avez des petits trucs qui vous tentent, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, voilà, un grand merci à vous pour le soutien, et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, ciao tout le monde!